Bienvenue chez moi. Alors, comme l'an dernier, je consacre une émission à prodiguer quelques modestes conseils de lecture. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas dans le décor habituel parce qu'il a fallu que je joue au dé le fait de mettre le sapin devant la bibliothèque et j'ai perdu. Madame a gagné. C'est comme ça. Donc, je me suis réfugié dans une chambre de bonne. Voilà. Alors, toujours mes deux remarques liminaire. Premièrement, il ne faut pas être intimidé par les ouvrages que je vous soumets. La lecture en sciences humaines étant un exercice périlleux, un exercice difficile pour tout le monde. Et puis, deuxième chose, n'espérez pas pour autant être en mesure de changer le monde après avoir passé une année à décortiquer, à lire tout ce que je vous soumets. Comprendre déjà le monde dans lequel on évolue, c'est déjà pas mal et c'est pour ma part mon objectif en tant que lecteur. Alors, c'est parti. Quelques ouvrages qui m'a été donné de lire, alors soit dans l'année écoulée, soit quelques années auparavant, mais qu'il me semble bon de remettre au goût du jour. Alors, des ouvrages historiques et notamment orientés vers la Rome antique. C'est une période de faste, une période très importante qui convient de redécouvrir, qui personnellement me passionne. Et je pense notamment aux ouvrages de Lucien Gerfagnon, qui est un philosophe, historien français, mort il y a quelques années, un érudit, qui non seulement dans son histoire de la Rome antique vous parle très bien de l'histoire romaine, et puis de ce qui, ça couvre plus de 1000 ans d'histoire romaine, c'est quelque chose de passionnant, et en plus c'est un monsieur qui était très drôle, qui avait beaucoup d'humour, et moi personnellement je suis très sensible à ça, ça aide beaucoup à comprendre les choses, et ses livres sont sortis en version de poche, et ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas les trois quarts de la page en note de page, moi personnellement c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup, donc je conseille la lecture de ses livres, Histoire de la Rome antique, de Lucien Gerfagnon, et un que j'ai découvert récemment de Mary Beard, qui s'appelle SPQR, qui est un bon complément à Lucien Gerfagnon. Le sous-titre, c'est Histoire de la Rome antique. Et donc, dans SPQR, Mary Beard met davantage l'accent, ce qui n'est pas fait chez Gerfagnon, sur la vie au quotidien, la vie du tout venant. En fait, ça c'est important, c'est intéressant et c'est pas souvent fait. En général, on a droit plutôt à l'histoire décortiquée des empereurs, des sénateurs, des consuls ou des écrivains et philosophes. Là, on met l'accent sur le tout venant. C'est très intéressant, je vous le recommande. C'est sorti récemment aux éditions Perrin. Et puis, le GRA, le Guide Romain Antique. Alors, j'en dis pas plus, vous verrez, c'est pas très cher. Et il y a tout ce qu'il faut savoir sur la Rome antique. C'est simplifié, c'est une espèce de vade-mecum. Ça marche très bien, très fort sur Amazon depuis que c'est sorti il y a pas mal d'années. Et je vous en conseille la lecture. Et puis sinon, j'ajouterai un autre livre de Lucien Gerfagnon. Alors cette fois-ci, c'est plus la Rome antique, mais il est sorti en parallèle de son histoire de la Rome antique. C'est « Histoire de la pensée » chez le même éditeur, en version poche, et le sous-titre, c'est « D'Homère à Jeanne d'Arc ». Vous voyez, il y a de quoi faire, mais là, encore une fois, ça foisonne d'informations, ça va vraiment vous plaire. N'hésitez pas à vous aérer l'esprit entre deux chapitres, parce que c'est vraiment très dense, mais très bien écrit, et très drôle. J'insiste là-dessus, Lucien Gerfagnon, je le répète, est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Alors ensuite, sur le libéralisme, vous avez François Huguenin, dont un ami m'a recommandé la lecture il n'y a pas longtemps et je le remercie. Ça s'appelle « Résister au libéralisme » avec comme sous-titre « Les penseurs de la communauté ». Alors c'est une critique du libéralisme non marxiste. C'est quelque chose de très rare en France. C'est quelque chose de tout à fait commun aux États-Unis, mais en France, c'est quelque chose de très rare. Donc, je vous recommande François Huguenin, résister au libéralisme. Et puis, parce qu'il est question dans ce livre des penseurs de la communauté, non pas de l'individu comme les libéraux, mais de la communauté, comme le courant communautarien,
Et cette année est sorti un livre qui a fait un tabac aux États-Unis, qui a été traduit en France, qui s'appelle Justice de Michael Sandel, qui est un penseur de la communauté, qui a beaucoup de choses à nous dire, qui fait une critique très pertinente du libéralisme et qui est jusqu'à présent totalement inconnu en France, sauf dans les cercles universitaires. C'est bien dommage, il faut promouvoir cette pensée qui est un véritable vis-à-vis du libéralisme, un vis-à-vis, je le répète, non marxiste. C'est important. Donc, je vous le répète, Michael Sandel, Justice, je vous invite à le lire. Ensuite, alors ça c'est autre chose, c'est une blague de mes enfants. Ah ouais, mon épouse avec le sapin et les enfants avec les blagues. Ah, j'ai du mérite, hein. Non, alors suivant, sur le droit naturel, Michel Villet, La formation de la pensée juridique moderne. Ça, c'est un ouvrage fondamental que j'ai découvert il y a plusieurs années et qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans la philosophie. Michel Villet avec Léo Strauss. Ce sont des penseurs qui, pour moi, comptent beaucoup et sont au fondement de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une véritable pensée de la communauté et pas seulement une pensée libérale de l'individu. Donc, Michel Villet, c'est un juriste français qui aurait eu 100 ans à peu près, donc il est mort depuis pas mal d'années. Il a écrit ce livre qui est pour moi, qui est paru au PUF et qui est pour moi. Un véritable maître à penser sur la question du droit naturel. Alors celui-ci est un peu plus compliqué, il nécessite quelques rudiments d'histoire de la pensée, mais je vous invite quand même à vous y attaquer, vous ne serez pas déçus. Donc Michel Villet, La formation de la pensée juridique moderne, à peu près 600 pages, hein. Il y a un beau cadeau de Noël. Alors sur la droite et la gauche, il y a le livre qui est sorti à la rentrée d'Arnaud Imatz, Droite, Gauche, pour sortir de l'équivoque. J'en avais parlé dans un rapide article en ligne. Et c'est un ouvrage qui permet de faire le bilan de ce qu'on essaye de nous vendre comme un clivage gauche-droite, qui ne peut pas être dépassé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'idées. Censé être réputé être de gauche qui se trouve dans des partis qui sont aujourd'hui classés à droite et inversement. Et ça permet de montrer à quel point il est grand temps de dépasser ce clivage gauche-droite. J'en dirai un mot à la fin de mon intervention. Donc Arnaud Imatz, Droite et Gauche pour sortir de l'équivoque. Alors ensuite, comme l'année dernière, j'avais parlé des classiques, de certains classiques, j'avais déterré, entre guillemets, Aristote et Rousseau, et bien là, de la même manière, un classique chez les anciens, Platon, avec cette version folio de la trilogie Apologie de Socrate, Criton, Phédon, qui vous permettra, j'en dis juste quelques mots rapides, qui vous permettront de mesurer à quel point la philosophie, premier philosophe, véritablement philosophe premier philosophe que fut Socrate, la philosophie fut opposée dès son origine à la démocratie. La philosophie, l'amour du savoir, la démocratie, le pouvoir au peuple, et il y a un schisme qui s'opère entre les deux et qui continue encore de courir à notre époque. Quelque chose qui est édifiant et quelque chose qui est plutôt nivelant. Et c'est dans cet équilibre à trouver entre les deux que se niche, à mes yeux, tout l'intérêt de la philosophie politique. Voilà, donc, chez les anciens, Platon, chez les modernes, un classique chez les modernes, et c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'il est très profond, alors il est bourré de contradictions, mais il est très profond, il aide vraiment à comprendre le monde actuel. Et en même temps, c'est très bien écrit parce que c'est un vrai écrivain. C'est pas seulement un philosophe, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et Rousseau, je vous conseille, moi, l'œuvre que je préfère chez Rousseau, c'est vraiment magnifique, c'est le discours sur l'économie politique. Vraiment, superbe ouvrage. Ouvrage écrit par un patriote. Rousseau était véritablement patriote. Alors ensuite, deux coups de cœur. Donc ça, j'ai lu ça il y a...
Il y en a un que j'ai lu cette année et l'autre il y a quelques années. Les deux plus grands philosophes français du XXe siècle, à mes yeux, à savoir le premier Henri Bergson, avec un ouvrage d'éthique qui s'intitule Les deux sources de la morale et de la religion. Alors là, parfois, il faut s'accrocher au livre, hein. Il y a des passages qui sont assez compliqués, mais c'est très, très bien écrit. Pas oublier qu'Henri Bergson était quand même prix Nobel de littérature, excusez du peu. Et puis Simone Veil. Simone Veil, c'est vraiment, vraiment l'auteur qu'il faut lire à notre époque. Et s'il faut en choisir un, c'est celui-ci, paru chez Folio, donc chez Gallimard, L'Enracinement. Il faut lire L'Enracinement. Alors, elle n'est pas très tendre vis-à-vis de la Rome antique, par contre. Là, sur ce point, je ne suis pas d'accord, mais elle dit beaucoup de choses fondamentales, d'une grande profondeur, d'une grande richesse, et c'est vraiment l'un des personnages qui aujourd'hui nous aide le mieux à comprendre notre époque. Simone Veil, attention, Veil, W, pas V, W. Ensuite, un grand classique français, justement méprisé par le monde de l'édition, Maurice Barrès, Les Déracinés. Donc, juste avant L'Enracinement, Les Déracinés, on est dans le même ton. Donc, il fait écho au précédent. Pourquoi Maurice Barrès est méprisé par les. Vraiment méprisé, hein, par les éditeurs. Vous verrez que vous, Les Déracinés, vous ne le trouverez pas dans une édition enfin, éditée par les éditeurs conventionnels. Pourquoi? Bah parce que ça fait partie de ces auteurs qui bénéficient d'une mauvaise réputation. C'est vraiment injuste, c'est un grand auteur, il y a beaucoup de choses à en apprendre également, doublé d'un grand écrivain, j'hésite pas à dire que c'est du niveau d'un Flaubert, Les Déracinés mériterait parfaitement une adaptation cinématographique qui ne viendra pas, puisque nous sommes en France. Et donc je vous invite vraiment à lire cet ouvrage, Les Déracinés, qui est un très beau livre. Alors ensuite, un ouvrage beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, qui m'a été donné de lire il y a un an à peu près, c'est un ouvrage de Dominique Cardon, paru au Seuil. Ça s'intitule À quoi rêvent les algorithmes? Et comme sous-titre, Nos vies à l'heure des big data. Alors les big data, c'est quelque chose dont il va falloir s'occuper, se saisir dans les années à venir, parce que c'est véritablement par là que va intervenir la politique 2.0 de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire une manière de piloter à distance le peuple en lui faisant croire qu'il est en démocratie par l'entretien permanent de ses désirs. Et là, les big data, avec les fameux GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, hein, on est tous maintenant plus ou moins esclaves de ces géants qui détiennent véritablement le pouvoir au niveau mondial. Ces géants vont avoir un rôle à jouer dans l'ingénierie sociale. Donc sans les bouder, sans s'interdire d'utiliser ces grands médias, ces grands les produits de ces grandes entreprises, il faut savoir. Pas s'en laisser compter, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc je vous invite à lire ce livre, c'est très rapide à lire, il y a une 100-120 pages, qui parle des algorithmes. Vous apprendrez ce que c'est un algorithme pour ceux qui ne connaissent pas, et vous verrez que c'est quelque chose de passionnant. Et puis, comme l'année dernière, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, je vous invite à lire mon livre, Le Miroir des Peuples, paru en 2015 aux éditions Perspective libre. Donc vous le retrouvez sur Amazon. Et ce qui est marrant d'ailleurs sur Amazon, pour rebondir sur ces histoires d'algorithmes, c'est que quand vous allez sur la page du livre sur Amazon, en conseil de lecture, Amazon vous donne les livres que je suis en train de vous présenter dans ma vidéo, et que j'ai présenté l'année dernière dans la vidéo. C'est-à-dire tous les livres que je promeus se retrouvent, leur pub est faite sur la page de mon propre livre. Bon, malheureusement, c'est à sens unique parce que quand vous cliquez sur ces livres, sur la page de ces livres, ils ne font pas la pub pour le mien. C'est comme ça. Donc voilà, je vous invite à lire mon livre. Je ne vais pas en faire un résumé, mais c'est un livre dans lequel je fais le bilan de notre condition politique actuelle, de ce que je pronostique comme la mort de notre régime politique. Et je fais la deuxième partie, dans la deuxième partie du livre, j'essaye de trouver des pistes pour amener petit à petit
vers un nouveau régime, pour repenser la politique au sein d'une communauté organisée. C'est assez ambitieux. C'est parfois difficile à lire, mais il faut savoir que ça a été difficile pour moi de l'écrire. Voilà. Tous les mots compliqués, j'ai dû les apprendre moi aussi avant, et je demande au lecteur de faire l'effort que moi j'ai fourni en tant que lecteur. Très beau cadeau de Noël aussi. Et puis voilà, je finirai en vous disant que je prépare un autre livre, que je veux un peu plus accessible. Je vais l'écrire dans le courant de l'année 2017. Et j'espère trouver un éditeur, parce que, vous savez, ça c'est très difficile, surtout quand on n'a pas le réseau qu'il faut. C'est un livre, en fait, qui traitera, pour rebondir sur le livre d'Arnaud Imad tout à l'heure, un livre qui traitera de la gauche et de la droite, de la manière dont on se moque de nous en nous faisant croire que c'est une dichotomie, un clivage indépassable. Je veux démontrer en quoi ça n'est pas indépassable, en quoi c'est un faux clivage, en quoi il masque de vrais clivages. Il y a des gens qui se disent attachés à droite et qui ont quand même des réflexes de gauche, et inversement des gens qui sont attachés à la gauche et qui ont des réflexes de droite. Je veux prouver tout ça, je veux contribuer à défaire ce clivage qui est pour moi suranné, clairement dépassé, il est temps de passer à autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'aucun clivage, qu'on doit vivre dans une société totalement pacifiée, la politique se nourrit de ces conflits perpétuels, mais il y a des vrais clivages à l'œuvre aujourd'hui, et surtout pas gauche-droite. Voilà, je veux écrire le livre qui amorce le changement de ce point de vue-là. Vous voyez, c'est très ambitieux, mais il faut l'être. Très ambitieux. Voilà, j'en reste là. Je vous souhaite sincèrement à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas d'acheter des livres. Il reste une semaine à peu près avant Noël. C'est très important. J'espère que tout se passera bien, qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles dans les jours à venir. Donc, portez-vous bien. Bonne fête à vous. Et puis, je vous retrouve, je l'espère, en 2017. À bientôt.